Dans les vidéos du coin des coloristes, je vais vous faire partager le savoir-faire et vous donner les tuyaux de notre coloriste Amandine. Dans ce premier épisode, nous allons voir comment passer d'une couleur châtain à une couleur violet. Voici deux photos qui présentent les couleurs avant et après l'application de la coloration. La base de travail est faite sur des cheveux naturels châtains sans cheveux blancs pour obtenir un violet. La méthode utilisée est le ton sur ton. Quel matériel vous aurez besoin? Un pinceau plat, une balance qui donne le poids au gramme près, un bol de coloration, un minuteur, des gants latex ou vinyle, un fouet. Les produits qui seront utilisés: 60 ml de diactivateur 9 volumes, 40 ml de coloration Dia Richesse 4.20, shampoing Vitaminocolor, shampoing Pro Classique Texture. Passons à la réalisation. Pour faire un shampoing en utilisant le Pro Classique Texture, ce shampoing est très bien à utiliser avant les travaux de technique. Il assure tout de même un lavage efficace des cheveux. Bien essorer les cheveux. Posez votre bol de coloration sur la balance en pensant bien de remettre la tare à zéro pour ne pas fausser le poids. Incorporez dans le bol 40 ml de coloration Dia Richesse 4.20 et 60 ml de diactivateur. Mélangez le tout à l'aide d'un fouet. Appliquez de manière régulière la couleur des racines, puis allongez jusqu'aux pointes. Réglez le minuteur ou la sonnerie de votre téléphone portable sur 20 minutes. C'est le temps de pose nécessaire pour une bonne prise de la couleur. Au bac, bien malaxer les cheveux pour faire remonter les pigments. Ensuite, émulsionner avec un peu d'eau, comme lorsque vous faites un shampoing. Ceci permettra de décoller la couleur. Rincez abondamment. L'idéal est d'appliquer un soin comme Vitaminocolor. Il permet de refermer les écailles du cheveu. Il ne vous reste plus qu'à faire un séchage ou un brushing. Les cheveux ressortent brillants et très soyeux.